On a parlé donc de l'alchimie et de l'or. On a évoqué, que tu en parlais, le mythe sumérien. Alors, on a eu l'occasion souvent d'échanger par téléphone, ce qui nous a donné envie de nous rencontrer et de faire Oui. cette émission. Nous n'avons pas évoqué, ou très peu, le mythe sumérien. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce mythe sumérien et de ces tablettes cunéiformes qui ont été retrouvées, qui ont été, entre guillemets, plus ou moins traduite ou bien traduite, c'est quoi ton avis là-dessus? Je suis pas un spécialiste du tout. Ça tombe bien. Non, du tout, du tout. Par contre, j'ai été impressionné par le travail d'un certain Bottero, Ah. Jean Bottero, qui était un assyriologue. Son travail lui a valu l'exclusion de ses ambitions religieuses, parce que Bottero avait déterminé que, en fait, toute l'histoire du déluge était déjà une légende sumérienne. Donc, il a dit ça autour de lui, dans les milieux religieux, et ça a été très mal accepté. On a très mal accepté que la Bible ne soit pas le texte fondateur, Texte original, quoi. original fondateur, Ouais. et que ce soit une reprise, ce qui était logique, puisque finalement le peuple juif avait été esclave, retenu à Babylone. Il était quand même logique que quelque part ils reprennent certaines légendes babyloniennes. Bottero, il a perdu sa carrière. Bon, pas sa carrière civile, puisque bon, ça, au contraire, mais sa carrière religieuse, oui. Ce qui prouvait quand même l'ostracisme, l'enfermement d'un certain nombre d'intellectuels religieux, chrétiens et catholiques plus particulièrement, puisque les protestants avaient quand même une ouverture plus importante pour ce genre d'études. Hein. Voilà, ça oui. Pour revenir à Sumer et à Enkil, Enlil et Tiamat et toutes ces légendes et Et tous ces Ninoursag. dieux. De la, oui, sumérien, c'est quelque chose qui m'a passionné aussi. Ça t'a passionné aussi. Oui, ça m'a passionné aussi parce que là-dedans, de toute façon, on ressent quand même ce formidable antagonisme entre des forces du bien et des forces du mal. Pareil, ouais. Quelqu'un qui, peu importe son nom, mais qui aime l'humanité, et quelqu'un qui ne l'aime pas du tout, quelqu'un qui va s'évertuer comme le dieu biblique, finalement, à la détruire, parce qu'il va juger que sa création est mauvaise. Et qu'il va juger qu'une partie de sa création est mauvaise, et donc il va y avoir un déluge. Et de la même manière, c'est là où il y a quand même, Il y a on retrouve Bottero. une forme d'ambiguïté quand même Oui, là-dedans. Hein. oui, Parce qu'on ne sait oui. pas trop, excuse-moi de prendre un peu la parole, mais où se situe le bien et le mal, quoi. On ne sait pas si celui qui veut nous protéger nous rend esclaves ou si celui qui veut nous libérer veut vraiment nous libérer, tu vois C'est ce que je veux ça, dire? oui, c'est ça. Alors, les études, on en a parlé d'Anton Parks, par exemple, hein, qui a poussé très très loin. Lui, il considère que c'est quand même de l'ingénierie, carrément, qu'en fait, on a créé l'homme pour en faire au début un esclave, hein, et que cet esclave, finalement, un dieu, un île s'est mis à l'aimer, un qui, non, en fait, bon, et qu'il a fallu le protéger, et que finalement, de son statut d'esclave, on a voulu en faire un être humain à part entière. Qu'il n'avait pas la possibilité de se reproduire au début, et que d'ailleurs il y a des images fabuleuses hein, Ah oui. qui sont extraites de recherches sumériennes, où on voit ce que Parks a pris pour des couveuses, où on voit des espèces de réplicants. Oui, c'est quand même, on peut s'interroger. On peut aussi s'interroger sur Adam, créé à partir de sa côte, etc. On a aussi une espèce d'impression du même type, hein, que ça pourrait être de l'ingénierie finalement. Et oui, c'est fascinant, tout à fait. Mais je n'ai pas de réponse. T'as pas de Non, réponse. je n'ai pas de réponse parce que je ne suis pas un spécialiste de ces textes-là, et qu'il y a très peu de spécialistes, et qu'il y a encore, il faut quand même le dire, une partie des textes qui n'ont jamais été traduits non plus, et qui posent problème. Donc, bah, écoute, Et oui. puis, Parks, c'est des visions ou des messages qu'il a reçus. On peut mettre ça un peu en doute Oui, mais aussi. bon, à ce moment-là, tu mets tout en doute. Mais Zakaria Sitchin aussi. Mais Sitchin, il s'est quand même beaucoup plus remué que Parks, je pense Oui, je déjà. pense aussi, Il parce me semble, hein. qu'il dit que c'est des Ouais. tablettes auxquelles il a eu accès, mais qu'il ne veut Ouais. pas dire d'où elles viennent. Après, excepté le Christ dont on parlera tout à l'heure, Mais on va y arriver. on va y arriver. Ah, j'en ai une bonne pour Tout celle-là. n'est que vision médium ou Oui, entendement médiumnique. bien sûr. Si tu prends, bah, on va pas se faire d'ennemis, mais bon, la plupart des religions, ce sont des religions qui ont été inspirées par des visites d'anges, par des messages angéliques, par voilà, bon. Alors, tu peux pas rejeter les uns et accepter les autres, hein, en toute logique. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, Ah!
Oui, c'est une question que tu poses souvent, ça, Je j'ai la pose l'impression. souvent, parce qu'il y a beaucoup de choses derrière. Et les prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors toi, ça t'évoque quoi, ça? Parce que là, alors le Ouais. mythe sumérien, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est. On est un peu dedans. Et ça, Mais tu as compris pourquoi quand je te parle de c'est... Botero, hein? Oui, bien sûr, ça, Voilà. c'est extrait de la Bible. Oui, tout à fait. C'est dans Ouais. l'Ancien Testament. Alors là, il y a plusieurs interprétations, il n'y en a pas qu'une seule. Il y en a qui pensent que les fils de l'homme, les fils de Dieu, des dieux, en fait, il y a eu une scission entre Caïn et Abel. Il y a ceux qui ont suivi Abel, ceux qui ont suivi Caïn, qu'il y a eu les bons et les mauvais, les anges rebelles, les anges rebelles qui finalement ont chu dans la matière, ils sont tombés dans la matière. Et il est probablement, on parle probablement de ces anges-là. Quand on dit qu'ils trouvèrent les fils de l'homme belle et ils se marièrent avec, enfin ils eurent des relations avec elle. Il y a probablement deux clans à nouveau qu'on pourrait considérer comme, entre guillemets, bons et mauvais et qui se sont opposés. C'est d'ailleurs une des justifications du déluge, puisque Dieu trouve que sa création est mauvaise et il décide d'envoyer une partie, mais pas toute. La création, puisqu'il laisse à Noé sa chance avec cette fameuse arche de Noé. L'interprétation justement que tu en fais toi de cette arche de Noé, certains disent que c'était techniquement impossible de mettre sur un ou plusieurs bateaux la plupart des espèces vivantes pour qu'elles puissent se reproduire après. Oui. On est quand même dans quelque chose de mythique un petit Tout peu. à fait. Oui, tout à fait. Et alors, on va encore rejoindre les alchimistes, par exemple. Alors dis-moi, tiens. Les alchimistes ont une opinion sur la Ça, genèse et la c'est création. très intéressant. Oui. Par exemple, ils se sont posé la question de savoir, ils ont comparé, pourquoi sur le texte fondateur sumérien, c'est un corbeau qui revient. On lance un corbeau, il revient. Il ne trouve pas terre, il revient. Et puis, par contre, sur le texte biblique, c'est une colombe. C'est le noir et le blanc. Or, les alchimistes, quand ils travaillent d'abord la matière pour qu'elle arrive, enfin, qu'elle soit au stade de la matière au noir. On pourrait développer tout ça. Vas-y, vas-y. Non, 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 c'est trop complexe. non, c'est pas que c'est trop complexe, mais ça va nous éloigner, Ça va prendre 2 heures, ça va là. prendre 2 heures. D'accord. Ou alors, plus tard, le stade après, c'est le blanc. D'accord? Voilà. Et le blanc, en fait, ils vont par exemple parler de l'île de Délos. C'est-à-dire que cette matière au blanc, elle va apparaître sur ce qu'ils vont peut-être qualifier d'une sorte d'îlot. Tu vois, donc c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est aussi ce qui se passe dans le mythe de l'arche de Noé. En fait, c'est exactement ça. On a le noir d'abord, le blanc ensuite, et le blanc apparaît parce que la colombe a pu se poser, ramener dans son bec un rameau d'olivier, et Noé a su que les terres étaient réapparues. Or, tout commence par l'eau en alchimie. Encore une fois, ça serait trop long de s'étendre pour savoir qu'est-ce que c'est que cette eau. C'est un bon. Est-ce qu'on peut dire que c'est la source de la vie? C'est aussi la source de la vie alchimique. C'est aussi la source du ferment alchimique qui va donner finalement l'aperçu philosophal. C'est l'eau. Tout démarre avec l'eau. Et donc, c'est logique, là aussi, que tout démarre avec l'eau, y compris tout redémarre avec l'eau. Au niveau de la sauvegarde de l'humanité. Et on va retrouver ces images partout, quasiment partout. Donc, on peut considérer aussi, beaucoup d'alchimistes ont considéré par le passé, c'est pas moi qui dis ça, Oui, bien sûr. tu as Monnier, par exemple, qui est l'initiateur du Fulcanelli, Aristide Monnier, qui a écrit un livre là-dessus, totalement là-dessus. Tu as un monsieur qui s'appelait Pierre-Jean Fabre, qui est de Castelnaudary, qui a écrit tout un livre là-dessus, sur la chimie chrétienne, et où il a repris toutes les grandes phases de l'évolution christique, par exemple, en considérant que c'était aussi un parallèle au processus alchimique. On peut en parler, ça, par contre, si tu Ah veux. oui, Voilà. Richard Kitson aussi, on parle de ça. Tout à fait. Il crée un parallèle entre le Mais Christ. encore une fois, ce n'est pas de nous. Ah, c'est pas de nous. Ce ne sont pas nous, alchimistes contemporains, qui en parlons. Bon, ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait longtemps qu'on en parle. Bien sûr. Comparant le Christ à un mythe solaire. Oui, mais Kedzin considérait que le Christ n'avait pas existé. Richard, c'était un grand ami, mais on n'était pas toujours d'accord. Et moi, je ne considère absolument pas que le Christ soit mythique. Pour moi, le Christ a réellement existé. Bon, c'est une vérité historique.
Richard, dans ses écrits et dans ses interventions, notamment chez Carton, dit qu'il n'y a aucune preuve historique, je dirais contemporaine, de la vie retraçant celle Alors, de c'est là où on n'est Jésus. pas d'accord. Parce que, en fait, les preuves. Mais c'est ça ma question, hein, vraiment. D'abord, on peut considérer qu'il y en a. Finalement, la preuve, les preuves les plus importantes restent les évangiles. On n'écrit pas des évangiles quasiment contemporains des faits sans qu'il n'y ait pas de faits, finalement. On ne voit pas 4, 5, 6 personnes se réunir et dire, bon, ben demain, on écrit un mythe. On crée un mythe. On crée un mythe de quelqu'un crucifié sur une croix, qui de toute façon va être déjà pour l'époque réprouvé complètement au nid de son peuple parce qu'il a eu une mort ignominieuse. Hein, donc ça c'est déjà complètement contraire au mythe, déjà, à l'idée même qu'on puisse faire d'un mythe solaire. Hein, c'est pas possible. C'est pas sui generis, on crée pas une histoire comme ça qui a pas un fondement. Si tu veux, il y a énormément de textes qui sont quasi contemporains ou qui ont 30, 40 ans juste de temps d'écriture après la mort du Christ, D'écart, oui. d'écart. Tu prends par exemple les premiers évangiles, ça doit être 50, 70. Et pourtant, excuse-moi, je me fais l'avocat du diable, mais Flavius Joseph, le scribe, Il parle de Jésus. quatre lignes. Mais ça suffit, quatre lignes. Mais bien sûr, qu'est-ce que c'était Jésus pour Flavius Joseph? C'était rien. C'était un agitateur parmi tant d'autres. Il y en avait des tas. Mais c'est même étonnant qu'il en ait parlé, Joseph. Tu vois? D'ailleurs, on sait qu'il y a une partie de ces quatre lignes, ou plus que quatre lignes, Qui ont été que ce paragraphe qui ont coupés, été arrangés, rajoutés, quand il dit, bon, le Christ ressuscité, etc., il a beaucoup de disciples et tout. Bon, très certainement, Joseph n'aurait pas écrit ça. Mais il écrit, par exemple, sur Saint Jean-Baptiste. Il décrit Saint Jean-Baptiste. On sait que c'est vrai. Joseph a décrit Saint Jean-Baptiste. Il s'est fait le porte-parole de ces événements dans ses récits de Judée, mais il n'y a aucune raison pour qu'il mente déjà, pour qu'il écrive des choses qui ne sont pas passées, et en même temps, il n'y a pas non plus de raison pour qu'il parle du Christ. Parce que des agitateurs, encore qu'à l'époque du Christ, il n'y en avait pas beaucoup Pas d'agitateurs. tant que ça, tu Pas crois? tant, non, Vraiment? en fait, le mouvement zélote, il est beaucoup plus tard. Il arrive 30 ans après le Christ. On commence à avoir des agitateurs violents qui vont finir finalement à Masada, dans la forteresse de Masada, je crois que c'est en 74, après la destruction du temple en 70. Mais du temps du Christ, il n'y a pas tellement de gens violents qui vont attaquer les Romains, l'épée à la main. Il n'y en a pas tant que ça. Ça, c'est postérieur au Christ. Donc voilà, bon, après des prédicateurs ambulants ou pas ambulants, il y en avait des tas, quoi, qui ont mal fini. Il y en a eu des tas. Comment tu expliques qu'à cette époque-là, on ait une grande prise de conscience mystique? C'était dû à quoi, selon toi? Parce que c'est vraiment, il y a 2024 et quelques années, peut-être un peu plus, il y a vraiment eu une espèce de grand courant mystique qui s'est créé dans cette région-là du monde, qui a toujours été une région un petit peu particulière, non? Enfin, je sais pas, hein, Enfin, je dirais pas que ça a été un grand. Enfin, le christianisme, oui, l'émergence du christianisme, oui, c'est indéniable. Mais avant, il y avait une multitude de mouvements de toutes sortes. Oui, c'est ça dont je veux Voilà. parler. Mais disparates, tu vois, il y avait d'un côté les Esséniens, les pharisiens étaient plus proches du pouvoir, les sadducéens étaient carrément dans le Et les pouvoir. Zélotes? Oui, mais les Zélotes, encore une fois, c'est plus tard. Je pense pas, tu vérifieras, mais je pense pas qu'ils étaient contemporains du Christ. Il y en avait peut-être un ou deux, mais encore, ils n'avaient pas de grandes chances de réussite, puisque le peuple, finalement, ne les suivait pas. Le peuple était très encadré. Bon, le mouvement dominant, c'était quand même un mouvement tout à fait respectueux de la loi mosaïque. Hein, on n'allait pas chercher plus loin. Bon, il y avait des Esséniens qui s'étaient mis un peu à part parce qu'ils ne supportaient pas le fait que les Romains soient là et que finalement ils polluent par leur présence et le culte et la ville sainte. Donc oui, ils s'étaient mis à part, mais c'était non violent, encore une fois. Hein. Mais il n'y avait pas de renouveau essentiel des croyances antérieures. Même le Baptiste, par exemple, qui prêchait essentiellement contre Hérode Antipas. Contre sa vie dissolue. Hein. Il était quoi? Un prophète comme un autre. Hein. Peut-être plus qu'un prophète comme un autre. Mais finalement, il était
Il était presque Élie le prophète, Élie le Tisbat, je crois que c'est le Tisbat, le Tisbit, il me semble, c'est-à-dire qu'il luttait contre Acab, vêtu d'une peau de chameau, il ressemblait à Élie, et il annonçait le Messie. C'était dans la règle de ce qu'avaient fait les prophètes jusqu'à présent, tu vois. Jésus a complètement dénoté, était différent de ce qui existait et ce qui pouvait se s'entendre à cette époque-là. En quoi, pour toi, il a été différent ? Alors, je vais te dire, je suis désolé, mais je vais te dire quelque chose ici, ou je vais te dire des choses qui ne sont pas dites. Tant mieux. Voilà, tant mieux ou pas tant mieux, parce qu'on va peut-être me critiquer là-dessus, peut-être juste raison. Mais pour moi, déjà, il faut concevoir que le Christ avait une intentionnalité. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, ça a été avec intention. Il ne faut pas croire qu'il était prédicateur et que tout d'un coup, on l'a arrêté, crucifié. Pas du tout. Il a voulu être crucifié. Il a cherché la crucifixion. C'est un choix. C'est un choix total. Et ça, c'est là où je pense dénoter, parce que moi, de mon vivant, personne ne m'a dit ça. Aucun prêtre ne m'a dit ça. Il a fait le choix total d'être crucifié. Tout son itinéraire est un itinéraire qui va vers ça. Il le dit. Il prévient les gens avant. Il dit, voilà, je vais... Ce temple que vous voyez, en 3 jours, je le démolis, en 3 jours, je le reconstruis. Quand il dit ça, Jean qui est à côté de lui, Jean qui est un proche du pouvoir religieux, hein, probablement un pharisien, Jean ne comprend pas. Il dit, mais il va détruire le temple. D'ailleurs, on arrête là-dessus en lui disant, tu as dit que tu allais détruire le temple, c'est un blasphème, etc. Mais il ne parle pas du temple, il parle de lui. À un moment, il parle de Jonas. Il dit, le seul signe que vous allez avoir, c'est le signe de Jonas. Or, Jonas, c'est quoi ? C'est un gars qui tombe à l'eau, on le jette à l'eau même, et il est dévoré par une baleine, et il passe 3 jours dans le cœur de la baleine, et il remonte à la surface. Encore le symbole des 3 jours. 3 jours, mais 3 jours après quasiment sa mort, quoi, hein, puisqu'il est mangé par une baleine, quoi, ou par un monstre, c'est le Léviathan, c'est pas... Voilà. Donc ça, encore, on ne comprend pas pourquoi Jésus nous a dit ça, qu'il a le signe de Jean, c'est quoi, nanana, personne ne comprend autour de lui. Mais il dit à plusieurs reprises, il le dit, qu'il va lui arriver quelque chose, hein, enfin, qu'il va vers ça, il marche vers ça. Et non seulement ça, mais on s'aperçoit qu'il échappe à la mort à plusieurs reprises. Parce que cette mort, il n'en veut pas. Du moins, pas à ce moment-là. Il va par exemple, dans son village natal, et là, à la synagogue, il parle, personne ne le comprend. Personne ne comprend, on le rejette, on lui dit « c'est pas possible, ce ne sont que des blasphèmes que tu dis, tu t'entends pas, tu te prends pour Dieu, le Fils de Dieu. » Et même à ce point qu'on veut le lapider, quoi, tu vois. Et il s'échappe, on ne sait pas comment. Les évangélistes disent « il arrive à s'échapper ». Voilà. Il va au temple, parce que Jean dit qu'il a été plusieurs fois au temple à Jérusalem. Pas une seule fois, la plupart des évangélistes ne parlent que d'une seule fois. En fait, il y a été plusieurs fois. Et dans le temple, à nouveau, il va faire des choses qu'il ne doit pas... D'abord, il chasse les marchands du temple, par exemple. Et ça aussi, on n'a pas assez insisté sur son côté provocateur. C'est un provocateur. Et il peut ne pas l'être, après tout. C'est le Christ, c'est un Christ de bonté. Pourquoi est-ce qu'il est provocateur ? Est-ce que les prêtres s'interrogent là-dessus ? Est-ce que les religieux s'interrogent là-dessus ? Pourquoi est-ce qu'il a ce côté de provocation constante ? Selon toi, pourquoi ? Parce que... Simplement parce qu'il a besoin, il a absolument besoin d'être remarqué et que son message passe. Et il a aussi besoin de démontrer que ce n'est pas la loi qui compte, les règles mises en place, mais c'est l'esprit qui compte avant tout. Hein? Quand il guérit un malade, un paralytique, un jour de sabbat, et quand les gens viennent et lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu es en train de guérir ce paralytique, il va dans la piscine de Siloé, là. Tu viens de le guérir, ou tu as guéri l'aveugle, et c'est sabbat aujourd'hui, pourquoi tu guéris ? Tu sais très bien qu'on n'a pas le droit de guérir. » À plusieurs reprises, il provoque, tu vois, il va faire des choses un jour où il n'a pas le droit de faire des choses, ce fameux jour de sabbat. Il va dans les champs, il prend de l'orge, il le mange, alors qu'il n'a même pas le droit de couper tu vois, il n'a même pas le droit, c'est interdit, c'est la loi l'interdit, quoi. Alors on vient, on lui dit, mais pourquoi tu fais ça, quoi, tu n'as pas le droit. Et il dit, mais mon père qui est aux cieux, s'il veut guérir un jour de sabbat, il guérit un jour de sabbat. David lui-même, il est entré dans le temple, il a mangé les pains de propriation un jour de sabbat. Donc, c'est la constante provocation. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, je vois bien. Bon, voilà. Donc, il veut marquer son temps.
Il a conscience qu'il provoque. Il a conscience qu'il se fait remarquer. Ce jour-là, au temple, on veut le lapider. Alors, une chose qu'on ne dit pas non plus, c'est que les Juifs avaient le droit de lapider dans le temple. Quand on dit qu'ils n'avaient pas le droit de mettre à mort, ils ont été voir Pilate pour qu'il mette à mort Jésus. Ici, ils avaient le droit de mettre à mort dans l'enceinte du temple. Autrement dit, quand ils prennent Jésus dans l'enceinte du temple à être un blasphémateur, ils auraient pu ramasser des cailloux, les lui jeter dessus, le tuer. Miraculeusement, il s'échappe du temple. Et ce jour-là, il n'est pas lapidé. On menace de le faire tomber du ravin, d'un ravin qui longe le temple de Jérusalem, et il s'échappe. Et on s'aperçoit qu'à plusieurs reprises, comme ça, il est sur le point d'être lapidé, donc tué. Il échappe à la mort. On ne sait pas comment, mais il échappe à la mort. Il va vers sa mort. Il a choisi sa mort. Et sa mort, elle doit être comme il l'a entendu, et pas autrement. Pourquoi ? Parce que, à mon avis, il a été marqué par ce qui s'est passé avec Jean le Baptiste. Jean le Baptiste a fini décapité dans la forteresse d'Achéron, dans la forteresse d'Héron d'Antipas. On sait pourquoi et comment. Il a fini décapité, ses disciples ont été désolés, ils ont rejoint ceux du Christ. Bon, André, par exemple, on sait que c'est un disciple de Jean le Baptiste. Et puis quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, quoi ? Tu vois, il n'y a pas eu des mois particuliers, si, peut-être un temps, mais ça n'a pas eu d'écho. Bon, Flavius Joseph en a parlé, oui, c'était un prédicateur, mais sans plus. Pourquoi il va volontairement vers la crucifixion ? Il va volontairement vers la mort. Parce qu'en fait, c'est la seule manière qu'il a de marquer son message. Alors, c'est très important ce que je dis, excusez-moi, parce que je vais dire de pontifier là, parce que en réfléchissant à ça, on se rend compte qu'il n'a pu que ressusciter. Alors, la définition précise selon toi de la résurrection ? Résurrection. Il est revenu d'entre les morts. Est-ce que ce n'est pas un éveil aussi quelque part ? Non, ce n'est pas un éveil. On oublie que le Christ a ressuscité trois fois. Pas lui, mais il a ressuscité Lazare. Il a ressuscité le fils d'une femme qui pleurait son enfant qui venait de mourir dans un cimetière. Il est pris de pitié. Il ressuscite l'enfant. Il ressuscite le fils de Jaïr, qui était un membre d'une synagogue. Voilà. Donc, lui-même, trois fois, il ressuscite. Il ressuscite Lazare. Lazare, c'est quand même, tout le monde l'a vu. Lazare, il est de Béthanie. Béthanie, c'est à 3 km de Jérusalem. Tout le monde le sait, à Jérusalem. C'est pour ça qu'il est accueilli de manière triomphale à Jérusalem, parce qu'on sait qu'il a ressuscité un mort, quoi. C'est extraordinaire. Si, autrefois, je crois qu'il y a eu trois résurrections dans la Bible, déjà avant Jésus. Mais ces trois résurrections de Jésus, par Jésus, sont déjà extraordinaires. Ce sont des résurrections. Qu'on n'aille pas dire que Lazare, non, c'était faux, il n'était pas mort. Lazare, quand Marthe et Marie viennent chercher Jésus, Marie dit « il sent déjà ». Hein, et quand on fait ouvrir le tombeau, Lazare, Jésus hurle la fameuse phrase « Lazare veniforas », « Lazare sort d'ici ». Et Lazare se lève et sort du tombeau. Et voilà, il est ressuscité. Et ça faisait 4 jours qu'il était mort et enterré. Quoi. Est-ce que la résurrection, pour toi, c'est le mystère de l'Église ? Au même titre que... Totalement, mais c'est son triomphe aussi. C'est son triomphe, mais bien sûr. Mais au même titre que... L'ange Gabriel avec la Sainte Marie, cela c'est un mystère aussi. Alors ça c'est un mystère auquel je ne crois pas. Ah. Voilà. Autant te le dire tout de suite, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que là on est face à des incohérences en chaîne. Alors lesquelles, selon toi ? Les chaînes, par exemple, on décrit Jésus se rendant auprès du Baptiste. Il va dans le Jourdain être baptisé par Jean-Baptiste qui ne sait pas qui c'est, il ne le reconnaît pas. Or, les évangiles nous décrivent Baptiste comme son cousin, cousin né du Saint-Esprit, puisqu'en fait, ses parents ont été avertis par le Saint-Esprit. Son père était Zacharie, sa mère Élisabeth. Zacharie et Élisabeth étaient très vieux, ils ne pouvaient plus avoir d'enfants. L'ange Gabriel apparaît, il leur dit « Attention, vous allez enfanter un fils qui va s'appeler Jean-Baptiste. » Non, vous l'appellerez Jean-Baptiste. Oui, c'est le même concept. Totalement, totalement. Donc, Jean est né du Saint-Esprit. Jésus aussi est né du Saint-Esprit. Il n'y a pas plus que Saint-Esprit que Jésus. Puisque l'ange Gabriel vient voir Marie, lui dit que tu vas enfanter, et un enfant va naître de toi, que tu vas appeler Yeshua, etc., etc. Donc comment se fait-il que Jésus, qui est né du Saint-Esprit, d'une mère vierge en plus, ait eu besoin d'aller voir Jean-Baptiste
de se faire baptiser par lui sans être reconnu, et en même temps de recevoir à ce moment-là l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe. Oui, ça fait un peu beaucoup. Il y a longtemps qu'il aurait dû recevoir l'Esprit Saint. Il y a longtemps qu'il aurait dû savoir que sa mère avait déjà avant lui reçu l'Esprit Saint. Elle était vierge, immaculée sans péché, et que lui-même était fils du Saint-Esprit. Tu comprends? Donc là, il y a une incohérence quand même flagrante. Donc, et c'est constamment qu'il y a des incohérences flagrantes à ce niveau. Quand la mère de Jésus vient le chercher à plusieurs reprises, en le prenant pour un fou, quoi. Tu vois, elle dit, les gens viennent la voir en lui disant, écoute, ton fils, il est en train de blasphémer, il est à la synagogue là-bas, viens vite le chercher, parce que vraiment, il est devenu fou, quoi. Bon, et Jésus dit, mais qui est ma mère, qui est mon père, tu connais ce fameux épisode. Si Marie avait vu l'ange Gabriel, si elle avait été engendrée, forcément, elle saurait, elle se dirait, mais oui, bon, non, c'est pas possible. Bon, tu comprends. Bon, voilà, c'est... C'est comme quand son premier miracle selon Jean, c'est Cana, quoi. Il transforme le vin, l'eau en vin. Marie est là, donc elle voit le miracle. Donc elle comprend bien que son fils a quelque chose d'exceptionnel. Et comment se fait-il que quelques paragraphes après, elle ne sait plus qu'il a quelque chose d'exceptionnel, quoi. Bon, donc c'est farci d'incohérence tout ça. Et non, je n'y crois pas. Voilà. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est les 30 ans de vide en fait. Pas 30 ans, mais on va dire... Alors, 30 ans entre, de vide... Entre la visite au temple quand ouais. il a 12 ans ouais. Et, ouais. et ça... on va toucher à quelque chose qui est essentiel. Ouais. Parce que là, c'est fondamental, c'est pareil. C'est fondamental, hein. Ouais. Ouais, bien sûr. C'est fondamental. Ça démarre réellement par le baptême de Jean. Et tout de suite après le baptême, il y a le désert. Donc, il va au désert 40 il, jours. Il a encore... quel âge il a? Il a la trentaine, puisque ça se passe. Oui. D'ailleurs, un évangile, je crois que c'est celui de Jean. Mais cette période de vide entre le moment où il va au temple, oui. Philosopher avec, avec oui. les... la synagogue. La synagogue. C'est plutôt la synagogue, c'est la synagogue, le temple. Hein, ouais. La synagogue, le enfin, temple. Peut-être le temple à Jérusalem. Oui, le temple ouais. à Jérusalem. Ouais. Là, il a à peu près 12 ans. Ouais. Et on le retrouve 20 ans après. Ouais. Et là, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 20 ans-là? Toute la maturation... d'un être qui, qui n'est que spirituel dans son évolution interne. Il a des gens autour de lui qui l'aident, qui l'initient, avec qui il échange. On peut penser ça. On peut penser ça, on peut penser ça sur le même modèle que ceux qui l'ont imité par la suite, si tu veux, et qui ont eu pas son chemin, pas jusqu'à une résurrection, mais qui ont été des êtres, des corps à prodiges. Tu prends par exemple le Padre Pio, que tu connais très bien. Oui, oui. Il a une vocation très jeune, très très jeune. Tu prends le curé d'Ars, très très jeune aussi, il a cette vocation, puisque enfant déjà, sa passion c'est de dire des messes. Avec ses petits copains, il joue le curé. Tu prends Yvonne Aimée de Malestroit, qui est une mystique française, contemporaine quasiment, et qui a produit des prodiges. Bon, qui a multiplié les pains, qui il y avait des bilocations, était marqué de stigmates, etc. Bon. Elle a signé de son sang un pacte avec Jésus, très jeune. Donc ce sont des gens qui, très jeunes, ont cet appel de Dieu. Hein. Et pourquoi pas le Christ? Ah oui, bien sûr, encore bon, plus. Pourquoi pas lui? Encore plus, lui. Réellement. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que parce que tu as cet appel de Dieu, il ne faut pas aussi avoir une ascèse particulière. Attention, et là on touche à un gros point qui va pas me faire des copains avec la bande à Marie-Madeleine, parce que on nous dit que Marie-Madeleine est l'épouse du Christ, qu'elle a eu un enfant avec lui, etc., etc. Mais le Christ, à plusieurs reprises, il a des phrases très significatives. Quand il dit par exemple il y a des eunuques par le fait de la nature, c'est-à-dire qu'ils sont nés eunuques. Il y a des eunuques par le fait des hommes, c'est-à-dire qu'on les a fait eunuques, on les a castrés. Pour être castrés, etc., castrats et autres, ou pour les harems. Et il y a les eunuques par la volonté de Dieu, pour Dieu. Bon. D'accord? Pour Dieu. Ça veut dire que celui qui est dans cette voie-là et va marcher dans la voie de Dieu, il se fait eunuque lui-même. Donc ça veut dire qu'il n'a pas de partage sexuel. Donc il n'est pas marié à Marie-Madeleine et il n'a pas d'enfant. Mais qu'est-ce que ça change, ça? Ça change tout. Eh oui, mais justement, je me pose la question. Ça change tout. Ça change quoi? Absolument tout. Parce que à ce moment-là, on touche à un domaine après lequel quasiment tout le monde a couru et court. C'est une évolution
interne et spirituelle de l'homme. Ce sont ces centres mystiques qui, un à un, vont s'éveiller jusqu'à l'illumination complète. C'est le grand enseignement du bouddhisme, c'est le grand enseignement de la Kundalini, qui est décrié en France parce que personne ne sait ce que c'est réellement. On commence de plus en plus à le savoir. Il y a de plus en plus de livres là-dessus. Centre après centre, du plus bas de l'homme, c'est-à-dire du centre sacré qu'on appelle Muladhara, qui est tout à fait en bas et dans lequel est levée cette fameuse énergie qu'on appelle la Kundalini, en remontant par les centres supérieurs, je crois qu'il y a Svadhisthana, Manipura, qui sont les deux centres suivants, qui sont le centre, on appelle ça la mer des illusions. C'est important parce qu'on va en reparler tout de suite après. En passant par Manipura, qui est le centre au-dessus, puis tu as Vishuddha, Ajna, et tout à fait en haut, Sahasrara. Donc ce sont ces sept centres qu'on va aligner, à travers lesquels l'énergie va remonter, et à travers lesquels aussi l'énergie spirituelle va descendre, de manière à former deux canaux qu'on appelle Ida et Pingala, avec un canal central qui est Shushuma, tout le long de la colonne vertébrale. Et il va y avoir une espèce de transfert et de mariage énergétique entre les puissances spirituelles du haut et les puissances internes de l'homme, tel qu'il a été créé. Et donc ces deux forces vont se rencontrer, c'est ce qu'en Inde on appelle le mariage de Shakti et Shiva. Shakti et Shiva, voilà. C'est l'hyméné dont on parlait les Grecs. En fait, tout le monde en a parlé, tout le monde. Tout le monde sait qu'en éveillant ses énergies spirituelles, l'homme va lui-même s'éveiller à une réalité supérieure. Et il y a un grand vulgarisateur de cet état de fait, c'est Jung. Jung n'a fait que parler de ça quand il parle du soi et qu'il parle de l'éveil de l'homme à ses réalités supérieures. Bon, on est en plein dans les théories jungiennes. Là, à ce moment-là, on arrive à un stade où tout est permis. C'est-à-dire que les miracles sont permis et on arrive à des prodiges. Les hindous le savent parfaitement. Excuse-moi de t'interrompre, mais est-ce que l'abstinence sexuelle en fait partie? Oui. Voilà. Pareil en Inde, par exemple, les mystiques indiens te disent que oui, l'abstinence sexuelle en fait partie. C'est une sublimation des forces primaires et des formes sexuelles qui vont remonter vers le spirituel. En fait, la pratique, enfin, l'orgasme, on va dire, simplement en nommant les choses telles qu'elles sont, aurait tendance plus à nous diriger vers la matérialité ou une forme de matérialité que la possibilité d'atteindre un éveil spirituel fondamental. C'est une énergie que tu vas orienter de deux manières différentes. Donc là, le sexe nous ferait perdre cette... Moi, je n'en sais rien, je ne peux pas l'affirmer, mais je te dis ce que la grosse majorité de l'humanité mystique et spirituelle croit. Pourtant, il existe des... Alors, il y a à boire et à manger, mais il existe des gens qui se disent médiums, qui ont des pratiques de vie, on va dire, communes, qui ont eu des enfants. Est-ce que tu connais beaucoup de mystiques à prodige? Non. C'est-à-dire, est-ce que le Padre Pio avait des enfants et était marié? Est-ce que le curé d'Ars l'était? Chico Ravier. Pas davantage. Edgar Cayce. Edgar Cayce, peut-être, mais c'était un médium. Edgar Cayce n'était pas capable de bilocation, il n'était pas capable de lévitation. Tu prends Sainte-Thérèse d'Avila, par exemple, elle lévitait. D'accord. Alors c'est très bizarre, parce que je crois que c'est elle. C'est une des rares grandes mystiques qui n'a pas eu d'attaque négative. Tout était dans le positif chez elle. Tu me corriges si je me trompe, mais... Elle a eu des peurs paniques d'un abandon total de Dieu, ce qu'elle a appelé sa nuit obscure. Mais il ne suffit pas... Bon, tu prends Pascal, par exemple. Pascal a connu l'illumination. Il a eu sa nuit de feu, qu'il a tellement marqué qu'il a inscrit à l'intérieur de son gilet, il a inscrit le rapport de cette nuit-là qu'il a écrit soigneusement et qui faisait coudre dans tous ses manteaux. Tu vois, donc il l'a connu. Mais ce dont je te parle, ça n'a rien à voir avec la religion. Ah non. Rien. Non, bien sûr. Tu peux être athée et vivre ce dont je te parle. Tu comprends? Bien sûr. Tu peux être un athée et t'émerveiller devant un tableau, une poésie, et vivre l'illumination. Mais tu ne seras pas un corps à prodige. Tu ne vas pas faire de lévitation pour autant, etc. etc. Tu es dans un état instable d'un éveil formidable. Oui, bien sûr. Mais tu ne seras pas dans une ascèse continuelle qui va te permettre
autour de toi d'étonner les autres humains parce que tu vas pouvoir faire des choses que les autres vont appeler miracles. Mmh. Ce qu'a fait le Christ. Voilà. Alors, et ce qui étrangement est le parcours de la vie christique étape par étape. Tu prends sa naissance, il est né dans une grotte, d'accord ? Comme Muladhara, la grotte dans laquelle, dans le centre sacré, se love la Kundalini. Il va passer par le baptême qui est l'eau, comme les deux centres au-dessus, qui sont des centres qu'on appelle les océans de l'illusion et qui sont typiques du domaine astral et qui sont des centres caractérisés par le fait aquatique, l'eau. Il va continuer par ouvrir son centre cardiaque. Et une fois que ce centre cardiaque sera ouvert, ça sera le centre de la gorge, donc celui de la parole et celui de l'enseignement. Ensuite, ça sera le troisième œil, et ensuite, ça sera l'éveil et l'illumination, c'est-à-dire tout le parcours du Christ. Alors tout ça, c'est très, très bouddhiste. Oui. C'est ça même. Non. Non. C'est universel. C'est universel. C'est universel. Alors justement, il y a la fameuse théorie comme quoi sur ces... 20 années de silence. Tu l'oublies. Tu l'oublies parce que. Je vais la finir quand même. Tu l'oublies. Non, ben, soi-disant, hein, cette théorie-là, il aurait été initié en Inde et au Népal sous le nom de Issa. Alors, ça, c'est un canular. C'est un canular. Ouais, c'est un fake, comme on dit aujourd'hui. Ouais. Parce que, en fait, le gars qui a lancé ça, le monastère en question a démenti totalement. Jean-Pierre Cléry. Peut-être le puzzle reconstitué. Oui, ça c'est le livre qui a été écrit. C'est le livre. Mais le livre écrit parle de quelqu'un. Dont alors je c'était un russe. Hein? Un russe. Oui, c'est ça. Peut-être un russe. Mm. Qui aurait dans un monastère retrouvé, etc. C'est faux. C'est complètement faux. On sait que c'est faux aujourd'hui. Comment on sait que c'est faux? Parce que le monastère l'a démenti. Ouais. À l'époque même, les contemporains ont été interrogés, les moines, qui ont dit non, c'est faux. On n'a jamais connu ce gars-là. Il s'est jamais cassé une jambe chez nous. On a eu personne qui est venu avec une jambe cassée. Donc, on pense que c'est faux. Après, comme je te l'ai dit, c'est universel. Je pense que n'importe quel au fin fond d'un désert, pendant 40 jours de privation et en méditation continuelle sur ses centres spirituels, etc., etc., et avec peut-être une part de prédestination, ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que quoi qu'on en dise, même si l'Église ne reconnaît pas la prédestination des saints, moi je ne suis pas d'accord, parce qu'on voit encore une fois que tous les mystiques que je t'ai cités depuis tout petit, ils ont cette vocation. Alors il faudrait qu'on m'explique comment ils font, s'ils ne sont pas prédestinés. Il y a bien eu quelque chose qui les a touchés à un moment. Après, est-ce qu'il y a eu, là, pour répondre à ta question, des contacts entre l'Himalaya, le Tibet, l'Inde? Sûrement. Oui, pas sûrement, oui. Le nard que l'on brise sur la chevelure de Jésus, la fameuse onction de Béthanie, Marie, enfin c'est pas Marie, c'est on dit que c'est une prostituée, enfin bon, peu importe, mais qui lui casse une ampoule de nard. Le nard coûtait très très cher, mais tu sais d'où vient le nard ? Il n'est fabriqué qu'en Himalaya. Ah, rien que ça déjà. Donc il faut bien qu'il ait été amené. Oui, puis il y avait beaucoup d'échanges commerciaux entre les régions. Mais bien sûr, mais bien sûr. Après, est-ce que Jésus avait besoin de ça? Ou est-ce que, après tout, il s'est auto-formé dans le désert? Bon, moi, je serais partisan de dire que, voilà. Alors, c'est très intéressant, ce parallèle entre le message du Christ, je précise bien le message du Christ, c'est-à-dire le christianisme primaire, quelque part, et le bouddhisme, oui. Et ce qu'il en est devenu de ce message christique, au concile de Nicée, où là, c'est devenu l'Église de Rome. Mais ça, on l'oublie. On l'oublie. On l'oublie parce qu'elle a foiré complètement. Mmh. Voilà. Et c'était plus une religion politique. Tout à fait. Fédératrice. Moi, je ne dirais pas politique. Enfin, si, je dirais surtout de pouvoir. Voilà. Bon. Est-ce qu'on pourrait dire, comme le dit notre cher Christian Doumergue, que le message christique initial est ce que lui appelle la gnose? La gnose serait le vrai message christique. Il y a deux messages, je pense, christiques. Il y a le message du commun, c'est-à-dire aimez-vous les uns les autres. Qui, selon toi et moi, pourrait essentiel. Être la loi universelle. Voilà. De toute façon, le Christ a dit, je ne viens pas pour abolir, je viens pour compléter. Ce message d'amour, les rabbins, comme le rabbin Hillel, par exemple, le pratiquaient déjà. Les lois de Moïse ne sont que ça.
Aimez-vous les uns les autres, c'est pas aimez-vous les uns les autres, tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, mais finalement ça arrive à ça, hein, c'est à aimer son prochain. Bon, ça c'est le message essentiel. Un message qu'il a tâché de mettre à la portée des gens peu instruits qu'il a croisés, en le mettant en parabole, en le mettant dans des paraboles qui puissent les toucher, comme le grain qu'on sème sur le chemin, ou qu'on sème dans la terre. Après, il y a un autre message qui est de type plus secret. Celui que je viens de t'expliquer, qui t'explique pourquoi il faut rester eunuque pour accéder au royaume de Dieu. À l'étape supérieure. Ouais. Pourquoi, comme il le dit à Nicodème, Nicodème lui pose la question, il lui dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver au royaume de Dieu, dans l'évangile de Jean? Et Jésus lui dit, mais il faut naître deux fois. Et Nicodème, qui est un peu, bon, même si c'est un prêtre, hein, apparemment c'est quelqu'un qui est très proche des prêtres, il répond à Jésus, mais comment on peut naître deux fois? Je ne peux pas retourner dans le sein de ma mère, tu vois. Et Jésus lui dit non, c'est pas ce que je veux dire, il faut naître deux fois en Dieu. Donc cette renaissance, c'est aussi cette remontée chakra après chakra dont je t'ai parlé, jusqu'à l'éveil final. Voilà. La résurrection pourrait être une forme de renaissance. Non. Ça n'a rien à voir avec cet éveil-là. La résurrection, c'est une résurrection. Physique. C'est-à-dire qu'il est rené d'entre les morts. Et c'est tout ce vers quoi va le Christ. En fait, contrairement à ce qu'on t'a expliqué au catéchisme, le Christ a volontairement été vers la mort. Il a volontairement été à la crucifixion. La preuve, c'est que Pilate le fouette. Il lui inflige le flagrum, par exemple. Le flagrum, ça suffisait à le faire mourir. C'était suffisant pour qu'il meure. Les coups étaient tellement forts que de toute façon, Pilate libérait le Christ quelques instants après, enfin peut-être quelques heures après ou deux jours après, il mourait. Il avait les reins brisés, une péricardie. Mais c'était pas suffisant. Les Juifs ont voulu que le Caïphe et Annan et tout son entourage ont voulu qu'il aille jusqu'à la crucifixion. Et Jésus aussi a été jusqu'à la crucifixion. Parce que c'était essentiel. Il fallait qu'on sache, il fallait qu'on voie depuis Jérusalem sa mort ignominieuse, et il fallait qu'on voie sa résurrection. Résurrection qui, contrairement à ce qu'on croit, n'a pas été vue que par Marie-Madeleine, Jean et Pierre, mais Paul nous dit que plus de 500 personnes ont vu ça, le Christ ressuscité. Alors, j'ai quelqu'un, il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit, mais finalement, il aurait mieux fait de ressusciter auprès de ses ennemis qu'auprès de ses amis. Parce que finalement, s'il ressuscite auprès de ses amis, tout le monde va dire, ouais, mais c'est un coup monté. C'est oublier Paul. Paul était un ennemi du Christ. Paul persécutait les Romains. Quand il a cette vision, cet aveuglement sur la route de Damas, le Christ, il entend le Christ qui lui dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et donc, il apparaît à Paul. D'ailleurs, il le dit, Paul. Il apparaît à 500 personnes et à l'avorton que je suis. Tu vois? Donc, il apparaît même à un ennemi des Romains. Voilà. Donc, tout le parcours du Christ, c'est d'arriver à cette crucifixion qui a été programmée parce qu'il fallait que ce soit ainsi et parce que son message ne pouvait être sublimé que comme ça. Très bien. Marie-Madeleine, quand elle voit Jésus... Ouais. Il lui sort la fameuse phrase « Non lim et tangere ». Alors là encore... Ne me touche pas. Et, alors moi, ça m'a fait réfléchir un petit peu cette phrase. Ah, bon. Parce que souvent, quand dans un conflit sentimental entre un homme et une femme, sans qu'il y ait forcément une initiation, mais ça vient souvent de la femme, qui quand elle est blessée ou poussée dans ses derniers retranchements, on a souvent cette phrase-là qui ressort « Ne me touche pas !» avec une voix un petit peu diabolique. Tu vois. Et là, c'est justement Jésus qui... Mais oui, le problème, c'est que c'est pas comme ça qu'il faut traduire. Enfin, je suis désolé, encore une fois. Non, mais vas-y, au contraire. Bon, parce que les Grecs, d'abord la phrase, c'est « Noli me tangere ». Gérer. Voilà, la fameuse phrase. Or, tu as « noli », c'est une négation, et tu as une injonction. Donc, une injonction, de me toucher, tangere, et noli. Et en grec, quand tu cumules une négation et une injonction, ça veut dire que l'acte est déjà commis. Ah.
Ah. Ça veut dire qu'ils se sont qu'elle a déjà touché. Elle a déjà touché. Ça veut dire cesse de me toucher. Arrête de me toucher. Arrête de me toucher. Ouais. C'est pas pareil. Ouais. Tu comprends? Et mais... d'ailleurs, c'est confirmé par le fait qu'il lui dit ensuite, ne me retiens pas parce que je ne suis pas encore parti vers le Seigneur. Il aurait bien resté un peu quand même. Donc Madeleine l'a touché. L'a touché. En fait, hein. C'est pas attention, ne me touche pas, c'est cesse de me toucher. Voilà. Ça, tu peux vérifier. Ah oui, ça, c'est serait encore plus intéressant. Mais il y a quelque chose d'encore plus intéressant que ça. Vas-y. C'est le jardinier. Voilà, justement. Parce que c'est très. Il y a une grande métaphore avec le jardinier. Parce qu'en totalement bidon. Ah oui, non, mais d'accord, peut-être. Je vais t'expliquer. Mais on revient à l'Éden presque quelque part, quoi. Mais non, mais non, mais je ne sais pas. C'est une idée que je me pose. Je vais t'expliquer. Le jardin... D'ailleurs, il y a une incohérence dans le texte qu'a très bien souligné mon ami Christian Doumergue, parce qu'il dit « Madeleine se retourne, et elle se retourne une autre fois. » Donc, quasiment, elle fait un demi-tour. On ne comprend pas, d'ailleurs. Alors, il dit il doit y avoir une réécriture. Elle avait un petit côté disco à l'époque. Voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, c'est, à mon avis, une erreur de traduction. Parce que, je vais t'expliquer, le jardin jardinier, d'ailleurs on ne comprend pas pourquoi il y a un jardin à côté d'un tombeau, dans une ancienne carrière, on se dit, bon, la terre ne doit pas être terrible. Et donc Jésus, jardinier avec sa pelle, ça fait bien rigoler, quoi. On le voit avec plein de représentations, Jésus avec une pelle ou une bêche. Bon. Jardinier, en grec, parce qu'il ne faut pas oublier que les évangiles ont été rédigés en grec, c'est kypos. Kypos. Kyros. C'est vraiment pas loin, vraiment pas loin. C'est deux lignes au-dessous, Kyros. C'est quoi le fantôme? Et c'est le fantôme mort d'une mort violente. Si on n'a pas un fantôme de mort violente avec Jésus, qu'est-ce qu'il te faut, quoi? Donc on est passé de Kypos, ou de plutôt de Kyros, à Kypos. Mais ça, c'est dû à quoi? C'est l'effet un peu de traduction orale Non, c'est que les gens se sont dit, on ne peut pas dire que Madeleine... Quand elle sort, elle voit un fantôme de quelqu'un qui est mort de mort violente. Pourquoi? Bah parce qu'à ce moment-là, on peut penser qu'elle a... Elle a pété une durite. Voilà. Hein. Donc, il vaut mieux dire... bon, Kyros, on le raye. Hein. On met juste un petit P à la place du R. Là. Enfin, c'est une pi à la place du R. Et on en fait Kypos, un jardinier. Et là, ça passe mieux. Et alors, donc, Madeleine voit le fantôme. Elle se tourne, elle voit un fantôme. Elle a peur, elle se retourne, elle part. Deux fois, elle se tourne. D'accord? Et là, Jésus l'appelle, et c'est à sa voix qu'elle le reconnaît, et qu'elle lui dit Rabouni, nanana, il ne me touche pas. Bon. Mais mon Rabouni, c'est quand même intime, un peu, non? Mais bien sûr, c'est intime. Mais bien sûr, mais de toute façon, c'était des gens qui vivaient dans son intimité. Bon, voilà, ils étaient tout autour de lui. Après, on a voulu, sur deux lignes sur Madeleine, on a brodé, on a écrit 500 livres sur Madeleine, sur deux lignes, quoi. Jésus l'a délivrée de 7 démons, ok. Après, on l'a assimilée à la Marie de Béthanie, ça n'a aucun rapport, parce que c'est Marie de Béthanie, c'est pas Marie de Magdala, ça n'a aucun rapport. Là, la prostituée, alors qu'elle n'a jamais été prostituée, qui aurait béni loin Jésus avec le fameux nard dont on parlait tout à l'heure, aucun rapport non plus, c'est pas la même personne. Donc, mais l'évangile de Marie, l'évangile apocryphe, gnostique, apocryphe. Apocryphe et gnostique. Alors là, on rentre en plein dans ce que je viens de t'expliquer. Alors vas-y. C'est-à-dire la remontée des différents chakras et l'illumination finale. Hein, c'est ce que sont en quoi... Donc, par rapport à ce que dit Christian Doumergue, tu te rapproches de lui en disant que vraiment, le vrai message christique, il est dans... Alors, peut-être pas dans celui-là, mais peut-être dans celui de Philippe, qui est peut-être plus accessible. Le message secret de... Attention, encore une fois. C'est la même chose qu'avec les alchimistes de tout à l'heure. Attention au fait... qu'on a réécrit une certaine partie de l'histoire en s'en servant pour véhiculer des notions des gnostiques, après tout, hein, qui se sont dit « c'est très intéressant l'histoire du Christ de Marie-Madeleine » parce qu'on est en plein dans ce que les gnostiques appellent le couple avec Parèdre, c'est-à-dire c'est Simon le magicien avec Hélène. Simon et Hélène, le couple mythique, tu vois, et Hélène, ancienne prostituée, comme par hasard. Ancienne prostituée de Tyr, dont il a fait son pendant féminin, et grâce à laquelle, par voie tantrique, il va arriver à cet événement dont je te parle. Donc, les gnostiques qui ont réécrit une partie de l'histoire de Marie-Madeleine, l'évangile de Marie, se sont dit, c'est quand même très intéressant qu'il y ait une Marie-Madeleine, parce qu'on peut en faire... La compagne du Christ, celle qui va l'aider à accéder à cet état.
Tu sais que les gnostiques, par exemple, ont une autre interprétation du nom de Marie-Madeleine. C'est... Ils pensent que c'est Myriam, Magad, Héléna. Tu vois? Donc, on retombe sur l'Hélène. L'Hélène de Simon le Magicien. La fameuse Hélène de Troie. L'Hélène des mystiques. Gnostiques. Pas des autres, des vraiment gnostiques. C'est vraiment ça. D'accord. Voilà. On a évoqué les grands mystiques. Pour me permettre de faire une transition, les apparitions mariales. Alors oui. Là, qu'est-ce que toi tu en penses? Alors, parce que là, il y a quand même à dire. Il y a énormément à dire parce que... Alors, là encore, je ne suis pas d'accord. tu vas dire, il est tout le temps pas d'accord. Il est tout le temps pas d'accord. Oui. Bah, tu vois, ça ne fera pas les punchlines, on l'a déjà, je ne suis pas d'accord. Parce que pourquoi? Parce que l'Église reconnaît un certain nombre d'apparitions et que quand on en a... Fatima, par exemple. Fatima, c'est reconnu par l'Église. Quand tu analyses ce que dit la Vierge, c'est sur le plan théologique, sur le tout, c'est un non-sens complet. Pourquoi? Parce qu'elle parle du Christ qui en a vraiment marre de ce qu'on fait, parce qu'on est très méchant, et qui va venir nous punir. Parce que si on continue à faire ce qu'on fait... Alors qu'il devrait nous sauver. Si l'Union soviétique, par exemple, à l'époque c'était l'Union soviétique, ne se convertit pas, je ne pourrai plus retenir le bras de mon fils, on ne sait pas ce qu'il va faire finalement, mais un truc pas très bien, vraiment un truc pas beau du tout. Alors qu'à l'époque, l'Union soviétique, elle est déjà convertie, je pense. Enfin, non, mais bon, on était en plein stalinisme, oui, mais... c'est 1917, hein, l'apparition, effectivement. Elle était convertie, il y avait quand même l'Église orthodoxe, qui est une branche. Ouais, c'est l'arrivée des bolcheviks au pouvoir. Hein, oui, bon. Je sais, mais ouais. Il y a quand même... ça, c'est la politique. Alors certes, c'était peut-être interdit, mais le oui, vrai mais message... Oui, c'était aussi la montée du communisme. Oui, non, mais le vrai message, le vrai message eût été plus politique que dire se convertir alors qu'ils étaient déjà convertis. Mais de toute façon, toutes les apparitions, quasiment toutes, ont en arrière-fond, vous êtes très vilain, et mon fils, si vous continuez, il va vous donner une sacrée tannée. D'accord? Si tu prends la plupart des apparitions, c'est ça le message, vraiment, sous-jacent, c'est ça. Quoi. Mmh. Tu prends Lorette, l'apparition de Notre-Dame de Lorette, c'est ça. Quoi. Bon, il faudrait revoir les textes précisément, ce qu'a dit vraiment la Vierge. Et, bon, et est-ce que ça va avec le Christ tout amour? Est-ce que ça va avec un Christ qui dit, vous tendez la joue? Bon, non, ça ne va pas du tout ensemble. On est dans la punition et pas dans mais bien sûr, le sauvetage. C'est tout sauf le message christique, ça. Ouais. Hein, d'accord. Alors comment se fait-il que l'Église approuve ce genre d'apparition et ce genre de message? C'est ça le gros mystère. Voilà. Après, il y a le mystère des apparitions elles-mêmes. Hein. Bon, qui apparaît? Lourdes, on sait qu'il y a eu des apparitions avant Lourdes. Bon, ce qui est souvent le cas, parce que ce sont souvent des lieux à apparition. Qu'est-ce qui teinte l'apparition? Moi, je suis très frappé. Alors, tu vas dire, ça y est, il est du côté des ovnis, nanana, Fatima, c'est un ovni. Mais je suis très frappé d'une chose, c'est qu'il y a de nombreux cas d'ovnis, d'apparitions d'ovnis, avec des contacts où, dans le... Je prends un cas qui est le cas d'Arrivilliers, ou d'Arrivilliers, je me plante toujours sur le nom. Ce sont des gars qui partent à la chasse. Et tu connais ça, un bon matin, et puis ils sont en voiture, ils se suivent, bon, et puis tout d'un coup, il y a un ovni qui apparaît gigantesque. Et une voiture est enlevée, à l'intérieur, il y a plusieurs personnes. Sur ces plusieurs personnes, il y en a deux, trois qui ne voient rien, et il y en a un qui voit tout. Tu vois? Et c'est souvent le cas. Des fois, tu as des atterrissages d'ovnis, tu as deux personnes qui voient tout, et les autres ne voient rien. Ça ressemble pas. C'est bizarre, c'est un peu. Ça ressemble pas aux apparitions mariales, ça. Ça ressemble un peu. Hein, où tu as trois voyants, et tous les autres, ils ne voient rien. Ouais. Ou même... un va observer, je sais que dans la vague d'OVNI française qui était en novembre 1995, une femme avait observé un OVNI conventionnel et l'autre, elle avait observé une locomotive à la place. C'est ça. Mais c'est aussi le cas. C'est tout le temps pareil. Ouais, c'est ça. Et dans tous les cas d'analyse d'OVNI, souvent, les descriptifs ne sont jamais similaires à 100%. Il y a une grande généralité du petit gris avec les yeux en amande noire, sans nez, une petite bouche et pas d'oreille. Mais après, le reste, c'est un peu le grand n'importe quoi. Oui. Ouais. C'est presque le cirque, quoi, tu vois. On a l'impression qu'il y a une focalisation d'un message à adresser, si possible, à des enfants, c'est-à-dire qui sont, par essence, plus réceptifs, mais aussi plus crédules. Bon, qu'on va peut-être plus croire que des adultes, parce qu'ils sont censés ne pas mentir et être purs.
En fait, il y a vraiment, encore une fois, une intentionnalité forte qui va produire le phénomène. Mais de quel type est le phénomène et qui le produit ? Alors là, on en sait quasiment. Ça reste encore quelque chose. Ça. Ouais. Moi, ça me gênerait beaucoup que ce soit la Vierge. Tu vois ? Voilà. Ça me gênerait beaucoup parce que je ne m'attends pas à ce type de message de ce type de, de personnalité ou d'entité. Quoi. Voilà. Selon toi, donc, les objets volants non identifiés sont bien réels ? Alors, c'est difficile. Alors, hein. C'est pas selon moi. Moi, j'y crois à 100%. Et je vais te faire part deux expériences dans ce domaine-là, qui sont quand même assez extraordinaires. Personnel. C'est que un jour, j'assiste à un mariage. Et au cours de ce mariage, il y a, tu sais, des affinités qui se créent. Il y a un monsieur qui vient me parler. Il me dit, pareil, on m'a dit que tu t'intéressais aux ovnis, tout ça. Bon, je suis de Lyon, j'ai participé à des cercles d'observation d'ovnis, etc. Et je suis dans des clubs. Si ça t'intéresse, je peux te donner de la documentation. Je lui dis oui. Il me dit, écoute, je redescends dans 15 jours sur Toulouse. Je te descends, j'ai deux grosses valises. Alors, c'était plein de lumières dans la nuit, de revues incroyables des années 60. Je te les donne, je te les filme. Moi, j'en veux plus, ça ne m'intéresse plus. Et il me dit, là-dedans, il y a un rapport. Mais ce rapport, je ne te le donne pas. Je te le laisse. Le temps que je vais rester à Toulouse, une semaine, tu vas le lire, tu me le rends. Tiens, okay, bizarre. Et il me donne ce rapport, il est signé Claude Power. Claude Power, directeur du GEPAN à Toulouse. Je ne sais pas si tu te souviens, institut fondé dans les années 70-77, je crois, dont le but était l'étude du phénomène OVNI. On demande en 78 à Power de pondre un rapport. Le rapport Cometa, c'est ça ? Non. Non, c'est pas sûr. C'est bien avant le rapport Cometa. Bien avant Cometa. Et on lui demande il y a un comité scientifique, hein, c'est pas n'importe qui, hein, ce sont des ingénieurs maison, enfin bon, des types, il y a Esther, enfin il y a des gens. Donc plutôt cartésiens que frappés du. Ouais. Et donc je lis le rapport, signé Power. Hein, bon, vraiment, pas de doute, c'est le rapport Power. Hein, c'est une copie, comment il l'a eu, j'en sais rien. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'en est débarrassé ? Une fuite ou peu une importe. Une fuite quelconque, mais, enfin, bon, peu importe. Peu importe. Ouais. Je le lis, et le rapport Power conclut que le phénomène est réel. Qu'il y a 30% des faits qui sont totalement inexpliqués. C'est énorme. Oui. À l'époque, hein, parce que depuis, ça a été réduit. Et que dans ces faits inexpliqués, il y a des contacts. Et il y a des contacts avec effets. Bon, effets de toutes sortes. Hein. C'est-à-dire contacts sur les personnes, induction de problèmes psychologiques, etc. Il écrit dans son rapport. C'est sa conclusion. La conclusion du rapport Power. Des implants, etc. Voilà. Ouais. Bon, voilà. Power remet son rapport. Donc déjà, en 78, les autorités françaises savent que le phénomène OVNI est réel, qu'il a été étudié statistiquement dans le rapport Power, parce qu'il a étudié des milliers de cas, des faits statistiques. Et voilà, donc c'est vrai. On ne va pas dire, non, on ne sait pas, aujourd'hui, comprenez, il y a des tas de gens qui disent, mais bon, peut-être que non. Non. Le plus haut comité scientifique de France, le CNES, mandaté pour ça, dit que ça existe. Je me fie au CNES, hein. Voilà, ils y croient. Donc, intéressant quand même, non ? Après ça, Power dégage, plus ou moins volontairement. On met à sa place, il n'est même pas ingénieur à l'époque, on le forme pour qu'il soit vite ingénieur, Velasco, voilà, qui lui, on lui dit, bon, bah, t'as un demi-placard, je plaisante, mais en fait, il a ça, en fait, quasiment ça, un demi-bureau, et une demi-secrétaire. Voilà, tu vois, on a vu vraiment le truc. On étouffe l'affaire. On étouffe quasiment l'affaire. On a debunk, comme on dit aujourd'hui. Alors là, comment je le sais ? Parce que sur un de mes tournages, je fais appel à une couturière. Je ne donne pas les noms. Alain, si tu nous regardes, elle est pour toi, celle-là. Je fais appel à une couturière sur un de mes tournages. Et donc, en discutant, elle me dit, j'ai été la secrétaire. Et de deux. Ah non, mais ça, la sophrologie, ça mène à tout. Hein. J'ai été la secrétaire de Velasco. Donc, cette c'était personne, donc la demi-secrétaire. C'était la demi-secrétaire de Velasco. Donc, elle m'a raconté comment ça se passait. Et donc, j'ai été, on peut dire, informé de ce qui se passait réellement dans le GEPAN ou le GEPAN plus tard. Ou avant. Voilà. Et toi, personnellement, tu étais confronté à des... Il faut faire quelque chose. Bah, c'est quinte et floche. Hein. Voilà, on est à 3, là. Je dirais 4... Il y a une amende. Tu as été personnellement confronté à des phénomènes... On pourrait en faire une autre émission. Hein. Alors, franchement, ah ouais ? Oui, j'étais confronté à des phénomènes OVNI, oui.
Très directement. Alors ça fait l'objet d'un rapport que j'ai écrit pour le CERO, qui est une Oui, association je que tu connais. connais, qui s'occupe donc des contactés carrément, hein. Ah oui. Voilà. Ah. Je vais te raconter quelque chose qui m'a vraiment étonné, c'est que quand j'ai construit ma maison, là où je suis, donc actuellement, donc quand je construis ma maison là où je suis actuellement, en fait, le maçon qui intervient me raconte que là où on est, il a vu un ovni stationnaire sur l'endroit où j'ai construit ma maison. Il était en deux chevaux, il avait Donc, sa. bien avant que tu décides d'acheter ce terrain Ah pour oui, faire bien construire. avant qu'on construise, hein. Ouais. Il avait une petite deux chevaux, il y avait une route en bas, et sa deux chevaux s'est arrêtée. Et c'est lui qui l'entretient parfaitement, elle marche toujours, hein. Et il me dit, c'est jamais arrêté comme ça. Donc il descend, il regarde, il ouvre le capot, il voit rien, et puis là, il voit un ovni au-dessus de l'endroit où j'ai construit. Quand tu connais le gars, tu te dis, c'est pas un farfelu, Oui, voilà. Ouais. il va pas inventer, il boit pas, sûrement vrai. Voilà. Mon père aussi a vu un ovni. Un soir, il rentrait de Tunis. Sur une route de Tunisie, et il a vu en parallèle de sa voiture un ovni. Mon père était pilote. Donc il savait parfaitement tout ce qui existait en matière d'avion à l'époque, et il m'a dit que ce n'était pas un avion. Je peux te certifier que ce n'était pas un avion. Et toi, quand tu as contacté le CERO, c'était pour un cas perso? Moi, c'était pour un cas perso. En fait, alors je ne sais pas si on a le temps. Oui, oui, Si, oui, oui, on a oui. le Ah temps, oui, alors, bien je vais te sûr. raconter Oui, bien sûr. toute l'aventure. Oui, parce que je pense que ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. Je pense aussi. Je pense aussi que ça vaut le coup. Je t'ai expliqué que je faisais des films. Et à un moment, je me dis quand même, ça serait bien qu'on fasse un film dans le domaine du surnaturel. OVNI, apparition de fantômes, etc. Mais je n'avais pas de contact. Là-dessus, le lendemain, quelqu'un m'écrit en me disant, Comme écoute, ça, synchronicité de dingue. complète. Quelqu'un que tu connais pas, Que je tu connais penses pas. ça la veille et tu reçois Voilà. une Il lettre. m'écrit, écoute, écoutez, voilà, j'ai un monsieur dans mon entourage, c'est un photographe d'OVNI. Il s'appelle, bon, je ne donne pas son nom, mais il me dit, voilà, c'est quelqu'un qui photographie des ovnis, qui en a vu à plusieurs reprises, il veut faire un film vidéo, il veut d'explorer. Bon, je dis, bien sûr, je saute l'occasion, je dis oui. Tu vois, et le gars descend à Toulouse, il est de Strasbourg, hein. Il descend sur Toulouse. Première bizarrerie, c'est que ce type, je l'ai vu en rêve. Entre la nuit et le Ah, jour, bien avant, bien 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 avant. avant. Je l'ai vu en rêve, il était sur un tableau, il m'expliquait des tas de trucs. Et à un moment, il m'explique quelque chose dans mon rêve qui a un rapport avec les Templiers. Je ne me souvenais plus du rêve, mais à un moment, Clac. avant de préparer l'émission, je le vois mettre un tableau, il déroule un tableau de Voilà. papier blanc, et là-dessus, il se met à dessiner des trucs, et il me parle de Templiers. Il me dit, eh, c'est bizarre, j'ai remarqué que souvent, sur des anciens sites Templiers, il y avait des apparitions d'OVNI, nanana. Je dis, merde, c'est mon rêve, ça. Tu vois, je me commençais à dire, tiens, il y a quelque chose de quand même d'étrange. Et puis on fait le film, voilà, je réalise le film avec son témoignage. Et puis à la fin du film, il me dit, Christian, est-ce que tu as du temps? Je dis, non, je bosse. Ben, il me dit, demain, tu te portes malade. Je dis, ben non, je ne peux pas me porter malade. Si, 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 tu téléphones que tu as une angine. Et ça vaut le coup, il me dit. Je dis, merde, Fais-moi confiance, je vais pas passer à côté d'un on va truc que ça s'amuser. vaut le Il te coup, dit tu pas ce vois. que c'est, il se dit pas ce que c'est du tout. Non. Pas du tout, mais je me Et doutais un peu quand ah même. ouais, tu sentais qu'il t'a Ouais. donné deux, trois indices un peu? Non, rien. Rien. Prends ton appareil photo, il me dit, puis tu viens avec moi. Bon, j'ai dit oui. Bon, on part bon matin, gelé, lui avec sa grosse Mercedes. Bon. Et puis on monte à travers les collines et tout, on parle dans le Tarn-et-Garonne et on aboutit à Vahour, une ancienne commanderie templière. Je dis ça aujourd'hui, tout le monde, si je dis ça aujourd'hui, hein, non, on va pas se précipiter à Vahour. Mais bon, on arrive à Vahour, personne, pas un chat, il fait très froid. On débarque, on enlève notre appareil photo. Il y a deux traînées d'avions dans le ciel. J'ai un Nikon avec un téléobjectif. Je commence à porter le téléobjectif à mes yeux. Et puis instinctivement, je suis la traînée laissée par les avions. Et là, je vois une boule blanche qui suit aussi la traînée. D'entrée, bienvenue. Qui passe. Bienvenue, ouais. J'ai pas le temps d'appuyer, tu vois. Même pas, j'appuie sur le déclencheur, tellement je suis stupéfait, quoi. Et là, je me retourne vers le gars qui était derrière moi, grand sourire aux lèvres, il me dit, tu l'as vu? Ben, je dis, ouais, mais c'est fugace, quoi. Il me dit, oui, moi, je photographie avec des vitesses supérieures à un millième et tout, parce que ça va trop vite, quoi. Il se met à flasher partout, il photographie tous les Presque à côtés. l'aveugle. Ouais, carrément. Puis moi, non, quoi. Je laisse faire, je me dis, bon, en même temps.
À un moment, il y a un phénomène fabuleux bon, qui s'appelle parallélie ou un truc comme ça, paroélie, tu regarderas le terme exact si j'ai oublié. C'est en fait une réfraction du soleil dans des couches de glace de la haute atmosphère qui te donne la sensation qu'il y a deux soleils. Oui. Tu vois, c'est un phénomène fabuleux. Tu as aussi un arc-en-ciel qui se crée entre les deux. Enfin, c'est quelque chose d'assez merveilleux à voir. C'est la première fois que j'en voyais un. Et là, il photographie. Et moi, je vais changer la pellicule de mon appareil. Et là, impossible d'ouvrir mon appareil. Je ne suis pas arrivé à l'ouvrir. Impossible. Et lui continue à photographier. Voilà. Et là, une fois rentré à la maison, on se sépare. Il me dit alors, c'était bien, hein? Je dis, bah ouais, moi, je n'ai pas vu grand-chose, à part le phénomène solaire, là. Bon. Il me dit, bah, tu vas voir. Dorénavant, tu vas voir, il me dit. Tu vas en voir. Je dis, ah bon, tiens, comment ça, je vais en voir? Il me dit, tu verras. Je me dis, il est fou, ce mec, il est fou. En même temps, j'avais quand même été perturbé par la petite boule blanche, tu vois, hein, que j'avais vu ça, vu. Et hein. Le rêve aussi avant. Et le rêve avant. Et puis, il se passe quelques temps. Un matin, je pars pour le boulot. Je vois la lune, pleine lune, encore dans le ciel, tu vois, au beau matin. Et là, je revois une boule blanche qui traverse le cercle lunaire. Enfin, elle passe devant, quoi, en tout cas, pour s'évanouir. Bon, ça fait deux, quoi, quand même. Je me dis, tiens, il m'a dit que j'allais voir. Quand même, je vois, là, quoi. C'est fou, quoi. C'était fou. Mais ça ne s'est pas arrêté là, quoi. Le problème, c'est là que ça devient intéressant. C'est là que ça devient très intéressant et flippant. Oui, mais c'est très ça flippant. Qui est intéressant. C'est quand ça flippe un peu. Pour un mec qui est comme moi, je ne vais pas dire cartésien parce que mon ami Yves Lignon va me taper sur les doigts. Et il a fortement raison parce que cartésien, ça ne veut pas dire qui croit dur comme fer. Ce n'était pas du tout ça. Hein. Bon, passons la parenthèse. Bon, et là, je suis dans mon lit, je dors. Et ce que je ne t'ai pas dit, c'est que j'ai fait plusieurs fois des expériences de voyage astro. Ah. Voilà. Je sais parfaitement ce qu'est un voyage astral. Je sais reconnaître l'astral de pas l'astral. Et là, je me retrouve dans l'astral. Pourquoi ? Parce que dans l'astral, je reconnais mon environnement immédiat. Je reconnais ma chambre, je sais où je suis. Ce n'est pas la vision que j'ai éveillée. Je ne suis pas éveillé, je suis dans un monde parallèle. Tout est un peu brumeux, mais je sais où je suis. Je suis dans l'astral. Je vois, au pied de ma chambre, au pied de mon lit, j'ai une petite salle de bain et j'ai un toit juste qui déborde un peu de la maison. Je vois trois trucs que j'assimile à des singes, tu vois, sauter sur le toit. Et comme dans l'astral, on peut voir à travers les murs, on voit à travers ce qu'on veut en fait, il suffit qu'on le désire, je les vois passer dans la petite salle de bain, les trois. J'avais mon épouse à côté de moi qui dormait. Il y en a donc un qui part de mon côté gauche, qui s'arrête devant mon épouse, un autre qui s'arrête au pied du lit, et un autre qui remonte tout le long de mon lit. Et moi, je ne peux pas bouger. Je suis en paralysie du sommeil. Alors, les gens m'ont dit, tu as fait une paralysie du sommeil. Sauf qu'une paralysie du sommeil, c'est très court, en général. Ça dure quelques secondes. Et là, ça a duré très, très longtemps. Alors, en même temps, il faut être sacrément maso pour s'infliger ce truc-là, tu vois. Je peux te dire, hein. Parce que j'ai flippé comme pas possible. Et donc, je suis là, je vois cet individu qui fait 1m10, Jean-Pierre Petit, que tu as reçu. Je ne sais pas si tu en as parlé, mais oui, il a vécu la même chose. Oui, il a parlé. Il a vécu la même chose. Il a vu le long de son lit arriver un type, il dit qu'il avait des petites ballerines au pied. Bon, il a vu la même chose, exactement. Et moi, je vois exactement la même chose. Et je vois l'individu s'approcher, et plus il s'approche, plus je flippe. Mais tu vois, je suis vraiment en panique, quoi, en panique complète, et je suis bloqué, je peux pas bouger. Ma femme à côté a l'air tout aussi bloquée que moi, hein, parce qu'elle n'a rien vu. Elle n'a rien vu. Non, rien. Et je pense qu'ils étaient trois, parce qu'il y en a un qui devait s'occuper de ma femme pour la bloquer dans l'état où elle était, un qui devait essayer de me diriger à moi, plus ou moins avec succès, et l'autre qui avait un boulot à faire, le troisième, et qui remontait le long de mon lit. Et c'est long, c'est très très long. Et là, je le tu vois... Tu arrives à l'estimer dans une durée dans le temps, cette longueur? Je pense que ça a dû durer 2-3 minutes, facile. Ah. Facile plutôt 3 d'ailleurs que 2. Le temps qu'il descende du toit. Parce que malgré le fait que tu sois dans une paralysie du sommeil, enfin, ou que les gens ont dit que tu es dans une paralysie du sommeil, pour toi, ce n'est pas une paralysie du sommeil. Non, mais je vais te prouver pourquoi après. Alors, je resynthétise. C'est dans ton lit, tu as les yeux ouverts quand même ou tu je suis toujours dans l'astral. Tu es toujours dans l'astral et tu vois la scène de haut. Ouais, je vois la scène pas de haut, mais je la vois un petit peu au-dessus de moi, d'accord, au niveau du lit. Mais je sais que mon corps est bloqué parce que, je vais te dire pourquoi, parce que dans l'astral, quand tu as peur, la peur te fait immédiatement réintégrer ton corps et tu te réveilles. C'est-à-dire même une impression de chute.
tout de suite. C'est vraiment, tu ne peux pas résister à la peur. C'est le déclic. Là, j'avais peur et je ne rentre pas dans mon corps. Je peux pas réintégrer, je ne peux plus rien faire. Quoi. Tu vois ? Mais normalement, tu aurais dû. J'aurais dû, mais je ne peux pas. Je suis bloqué dans un état parallèle. Et donc, l'individu s'approche et je vois qu'il a les mains, ou ce que je prends pour ses mains, c'est des doigts, des trucs très longs, avec au bout une espèce de petite boule bleue, très très lumineuse, un peu, tu sais, ces boules chirurgicales, ces fils chirurgicaux d'un bleu intense. Oui, un peu comme un laser au bout, là, un truc voilà. Comme ça. Ouais. Et donc, il s'approche avec ça, à la main, il s'approche de moi. Tu vois ? Et là, je résiste tant que je peux, quoi. Je me dis, il faut que je sorte de cet état, en fait. C'est un état dans lequel je suis coincé. Il faut que je sorte de cet état. Et il s'approche, jusqu'à arriver presque à mes yeux, quoi. À tel point que quand je suis sorti de l'état en question, parce que j'ai eu un effort de volonté terrible. Pour casser l'astral. Pour casser l'emprise, surtout. Tu vois, j'ai voulu casser l'emprise. Je me suis dit, c'est une emprise mentale. Et c'est par le mental que je vais y arriver, en cassant cette emprise mentale. Donc, j'ai bandé mes forces mentales, si on peut dire, pour casser cette emprise. Et je suis sorti de cet état-là. Et là, il est resté dans mes yeux une rémanence. Cette rémanence bleue. Quand je me suis réveillé, j'allumais la lumière, tout ça, j'étais suffoqué, quoi. J'avais l'impression de remonter, d'une plongée en eau profonde. J'ai rallumé et j'avais cette rémanence bleue dans les yeux. Et là, il n'y avait plus rien, bien sûr. Tu n'as pas vu ce qu'ils en ont fait ? Non. Et je me suis dit, voilà, les gens m'ont dit, c'est paralysie du sommeil, nanana. Ce qui peut s'entendre. C'est ce que j'ai entendu. C'est ça le plus terrible. Parce que ça continue. Non, parce que, si tu veux, après, j'ai cherché. Parce que je ne connaissais pas tout ça. À l'époque, et on m'a dit il faut que tu te procures le livre de John Mack qui a écrit sur les abductés, etc., il faut que tu le lises. Et donc, impossible de se le procurer en France, il était sorti mais déjà épuisé. J'ai renoncé. Un jour, je vais à une bouquinerie, un bouquiniste Emmaüs, là, tu sais, une bouquinerie Emmaüs, et je vois un gars, il prend d'une étagère le bouquin de Mack, celui que je cherchais absolument. Je me dis, merde, ça y est, je l'ai trouvé, et le gars va partir avec. Et il le repose. Tu vois, il repousse le bouquin de Mack. Je le prends, je l'achète, je le lis. Là, je tombe sur la description d'un cas similaire en tout point au mien, y compris la pince que le gars décrivait, parce que lui décrivait une pince que moi j'avais pris pour ses doigts. C'était une pince, le petit fil et la petite boule bleue. Ça va plus loin dans cette description ou pas ? Ça va pas plus loin dans la description. Il vient un peu ce que j'ai vécu. Il dit, lui, que c'est un appareil... c'est un endoscopie, tu vois. C'est un appareil de recherche endoscopique. Moi, je ne sais pas, puisque je n'ai pas pu aller plus loin. Mais ça, ça m'a vraiment frappé, parce que je me suis dit, à ce moment-là, ce n'est pas une paralysie du sommeil, ce n'est pas un rêve que j'ai fait, ce n'est pas une illusion que j'ai vécue, puisque quelqu'un aux USA, deux personnes même aux USA, ont vu le même appareil et ont vécu ce que j'ai vécu. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dois conclure de ça ? Je n'en sais rien. Ce que je peux te dire, c'est que le choc ontologique est terrible. Parce que tu remets tout en question. Ah oui. Tu te dis, il y a une autre réalité, il y a d'autres êtres que nous. Ces autres êtres nous visitent. Et tu as une espèce d'impression d'expansion de conscience, en fait. Hein. Tout est remis en cause et tout est revu. Et Mac le dit, il dit, les gens que j'ai étudiés, ce ne sont pas des cas psychiatriques, ils sont parfaitement sains. Ils ont vécu quelque chose, je ne sais pas quoi, mais ils ont vécu quelque chose réellement. Et ils ont eu une expansion de conscience qui a fait qu'ils ont changé leur vie. En fait, des fois, ils remettent totalement en cause leur vie. Ça a été le cas pour toi ? Non. En fait, moi, je m'intéressais énormément... Toi, tu l'avais changé avant. ...de choses... Oui, j'ai l'impression que, tu vois, l'écologie, par exemple, je m'intéressais énormément à tout ça. Donc, non, ça n'a pas été vraiment le cas pour moi.